ce matin, je suis venue vous apporter de bonnes nouvelles, Jean-Pierre Elkabbach, de bonnes nouvelles. Parce que, bien sûr, le déficit, il y a encore un déficit et nous devons poursuivre les efforts. Mais les efforts ont porté leurs fruits, ils donnent des résultats. Lorsque je suis arrivée, le déficit de la Sécurité sociale était de 21 milliards. Il est un peu inférieur à 13 milliards cette année, ce qui veut dire que nous l'avons réduit de 40%. Et l'objectif pour l'année prochaine est d'aller en dessous de cette barre symbolique des 10 milliards, et c'est ce à quoi je m'emploie. Et cette bonne nouvelle, elle en comporte une à laquelle les Français sont particulièrement ou seront particulièrement sensibles. Pour la première fois depuis 2004, la branche vieillesse, c'est-à-dire ce qui verse les retraites du régime général, la branche vieillesse va être en léger excédent. Alors que l'on nous parle, et encore en ce moment, de l'inquiétude autour de notre capacité à garantir les retraites dans la durée, eh bien, les politiques portées, la réforme de 2013, tout cela aboutit à ce que nous avons un excédent pour la branche vieillesse. Et donc, je veux encore une fois rassurer les Français. Bien sûr, dans les temps difficiles que nous vivons, des efforts sont demandés, des efforts sont réalisés. Ces efforts, ils portent des résultats. On n'est jamais ils ne sont pas mieux faits pour servi que par soi-même.